Hey, salut à tous les amis, c'est SkyStyle et aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Est-ce que vous entendez le bruit? Ah, vous demandez ce que c'est? Eh ben, tout simplement, c'est une Pokébox Pikachu! Eh ouais, mon gars! Donc, on a une Pokébox Pikachu qui est sortie à Noël, donc je suis un peu en retard. Et vous le savez pas, mais il y a une série que je rêve d'ouvrir. C'est Ciel Rugissant. XY Ciel Rugissant. Et apparemment, dans ce coffret, il y a Ciel Rugissant. Et c'est la première fois que je vais l'ouvrir. Et c'est mon rêve d'ouvrir du Ciel Rugissant. Je vous promets. Et la Pokébox, c'est magnifique. Alors, donc on avait le choix entre Pikachu. Moi, j'ai pris Pikachu parce que c'est le Pokémon élémentaire. Ensuite, on a un Volcagnon là sur le côté. Et un Magearna. Ainsi qu'un Pikachu, bien évidemment. Alors là, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Et je vous dis à tout de suite. Ok, donc on a la Pokébox Pikachu. Alors c'est parti les amis. Alors, il y a 5 ans que j'ai pas ouvert de Pokébox. Putain, ça fait tellement. Et voilà comment ça se présente. On a la carte promo Pikachu X. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors par contre, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis Raichu. Parce que Pikachu, c'est un peu bizarre. Attaque à 160! What the fuck? C'est quoi ce Pikachu? Alors, on a les boosters qui se présentent comme ça. Alors, on a un impact des destins. S'il vous plaît, j'espère qu'il y a un ciel rugissant. Un évolution. Deux XY évolution. Et non, il y en a trois XY évolution. Pourquoi il n'y a pas de ciel rugissant? J'ai déjà regardé des vidéos, normalement t'as un ciel rugissant. C'est quoi cette merde là? Bah. Y a pas de ciel rugissant. Oh non putain, bah je suis dégoûtée. J'ai regardé des ouvertures, ils avaient tous des ciels rugissants. Et comme par hasard, je tombe sur la Pokébox. Qui n'a pas de ciel rugissant. Eh ben, moi je propose qu'on commence par un pack de destin. Parce qu'on n'en ouvre pas beaucoup sur la chaîne. C'est bien d'y penser un petit peu comme ça. Alors donc là, j'ouvre pas du soleil et lune parce que je trouve que je préfère les ex. Un, deux, trois, un, deux qui sert à mettre la rare et la river. Un dernier pour garder un maximum de suspense. Vous connaissez, voilà. Donc, on est... Le bruit que j'ai fait. Donc, Alors, vous verrez pas toute la carte. Voilà, désolé. On est parti avec un Snubbull. Charity. Todoway. Riolu. Ouh, yeah, il grimpe aux arbres. Tug Life. Scrutula. Oh, c'est mignon. Karatrok. Dans Soleil et Lune, il a 110 PV, il attaque à 100. Je vous promets. Enfin, un truc dans le genre. Pashmia. Oh. Je sens pas celui-là. Kangourex. Kangourex? C'est pas une rare? Tu te fous de ma gueule. Smogo en river, c'est. Non, non, mon Dieu. Putain, cette carte est magnifique. Megalakazam X. Qu'est-ce qui se passe, mon gars? C'est la puissance. 9-4, gros, c'est la puissance. J'ai plus de respect. On est parti avec le Dracaufeu. Non, mais c'est quoi cette ouverture? Ouais, bon, ben. Rien que ça me suffit, les gens. Donc, partons. Allez, eh, les gens, mon rêve, c'est d'avoir Méga Dracaufeu Y, Exula. Voilà. Je vous le dis. Je vous le cache pas. Et on est parti tout de suite avec un petit Fantominus. Titar. Voltorb. Aspico, qui est très moche. Voilà. Ratata, qui est très moche aussi. Yaspirituel, Tortank. Échange, Machoper. Tignon. Ah, c'est une rare reverse, d'accord. Et Mewtwo que j'ai en 10 000 fois, voilà. Ceux qui regardent ma chaîne le savent que je l'ai en 10 000 fois. Allez, Méga Dracaufeu, Exula, Méga Dracaufeu, Exula. Alors, Méga Rakazam, c'est une carte que je recherchais, que je voulais absolument. Donc, je suis super contente de l'avoir, franchement. Parce que c'est une carte que j'arrêtais pas de voir dans les openings. Voilà, je sais pas si je vous l'ai bien donné. Et c'est la carte que je voulais absolument. Je suis putain de méga content, frère.
Vous voyez? Je sais pas. Nidoran, Machoke, Kaninos, Pikachu. Énergie, Psy, Smogo, Coconfort, Reptincelle, Magikarp en Reverse, et Carnatichon en rare, ça fait la merde. C'est la dèche! Bon, après, il y a quand même le méga Alakazam. Si on a rien, il y a quand même le méga Alakazam qui nous sauve. Voilà. Allez, s'il vous plaît! Mais s'il vous plaît! Putain! On veut quelque chose, on veut du lourd! Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, pardon. Allez. Alors, sac de nœuds, Starry, énergie combat, Magikarp. Oula, il y a toutes les cartes qui partent. Onyx, total sang à la spirituelle, Florizarre, potion. Onyx arrive. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh! Putain, Dracaufeu holographique! Oh mon dieu! Cette carte est putain de rare! Elle se vend tellement cher! Mon dieu! Elle attaque à 200! Y'a plus de respect, mon gars! Putain, c'est une carte super rare! Oh mon dieu! Oh putain! Oh putain! Oh putain! C'est une carte putain de rare! Vous savez pas la valeur de cette carte! Oh mon dieu, Dracaufeu holographique! Putain, faut que je la mette quelque part là, mais faut la protéger là! Oh mon dieu! Oh putain! Oh mon dieu! Oh mon dieu, les gens, vous vous rendez pas compte de cette valeur! Cette carte vaut super cher! Cette carte vaut la valeur d'une méga ex, tu vois? C'est ça, ça vaut la même valeur, tu vois? Oh là là, mais quelle pioche de fou! Mais quelle pioche de fou! Putain. Bon ben, récap. Oh la chance au dernier booster! Moi, franchement, je suis super content d'avoir le méga Alakazam ex. Mais je suis encore plus content, vous imaginez, hein, que c'est une holographique. Je suis encore plus content d'avoir une holographique qu'une méga. Mais tous les collectionneurs seront d'accord avec moi. Donc on a eu Pikachu X de ce coffret. Voilà, qui est une promo magnifique. Le Dracaufeu holographique, qui est juste cette carte abusée. Et le méga Alakazam X. Voilà. Méga Alakazam X. Ouais, c'est vrai que Mecha Alakazam X, elle est plus belle. Sauf que Dracaufeu est plus rare. Et ouais. Elle est magnifique, Alakazam. Waouh. Elle est magnifique. Ah, je t'ai pas oublié, Pikachu. Hein. T'inquiète pas. T'es magnifique aussi. Mais on préfère quand même le Alakazam. Je suis désolée. Ah, par contre, j'aime pas les abîmer comme ça, là. Ah, ça me rassure pas, ça. Et les boosters, bien sûr, je les garde pour me faire un futur fond. Et 3 boosters. Et le quatrième. Putain, comment on a fini en beauté là, mon gars. Oh, c'est la puissance. C'est un truc de malade. Oh là là. Comment on a fini en beauté, mon gars. Ouh, regardez comment il est magnifique. Oh là là. Putain. C'est pas une rare, hein. Vous voyez bien, elle brille. Putain, j'ai le Dracaufeu holographique. Putain, mais c'est n'importe quoi. Mais comment j'ai fait pour avoir cette carte? Putain, j'en reviens pas, c'est un truc de malade. Ah, attendez. Je crois que j'ai complété la collection. Hein. Ah non, il me manque pas beaucoup de ex. Ah, un pack des destins, je suis content, j'avais aucune ex de cette série. Alors du coup, je suis vraiment super content pour le méga Alakazam. Surtout que c'est une méga, quoi. Faut... Voilà, quoi. On déconne pas là-dessus. Et Pikachu ex. Qui est de quelle série, d'ailleurs? Je sais pas. Alors, ah, par contre, je suis dégoûtée. Il n'y avait pas de booster ciel rugissant. Je suis vraiment... Je suis dégoûtée. Il y avait un pack des destins. En fait, il y avait un bug de la Pokébox. Normalement, t'as un impact des destins, deux offensives vapeur et un ciel rugissant. Je sais pas ce qui m'a fait la Pokébox. Et comme par hasard, c'est tombé sur moi. Ouais. Donc, voilà, les petits codes. Attendez, faut faire le focus de la caméra. Voilà. Et pour vous dire que un code n'a aucune valeur. Tu peux faire ce que tu veux avec. Si t'as envie, si ton rêve c'est de plier des cartes Pokémon, bah tu peux, mon gars. Voilà. Et voilà. Oh, attendez! Ah non, c'est bon, j'ai tous les codes. Putain, je suis peur. Alors par contre, je l'ai plié. C'est pas le. Moi, je veux garder
Le code de la Pokébox Pikachu. Celui que je veux absolument. Il est où? C'est pas lui. C'est lui, logiquement. Bah, c'est lequel? Mais ils se ressemblent tous. C'est quoi ce bordel? Attends, j'ai jamais vu ce qui était écrit. C'est marqué violence animée. Aïe, attendez. Allez où? Attends, faut que je le retrouve. Voilà. Ça, en fait, j'ai juste dit que c'était une rare reverse. Et non, c'est une holo reverse. C'est une holographique, cette carte. Donc, cette carte est quand même rare. Donc, ça veut dire que ça, c'est une holographique. Donc, je suis content. Voilà. Mais franchement, mais que dire de mieux sur cette ouverture? Que dire de mieux? Un Dracaufeuex, un méga Lakazam. Et un Pikachu, bien sûr. Oh, mais là là, putain. Mais c'est n'importe quoi. Regardez-moi ça! Ces cartes cheatées! Ah, le méga Lakazam, putain, il est magnifique, c'est un truc de malade! C'est la carte que je voulais absolument! Je me souviens un jour, j'ai déjà ouvert 5 paquets, 5 boosters, un pack de destin, et j'avais rien eu. Même pas une holographique, même pas une turbo, rien, je vous promets. Eh ben écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et à t'abonner également. Ça fait toujours plaisir. Et au revoir. C'était SkyStyle.